Almami Touré qui a mis son équipe dans le bon sens. Premier ballon pour Alan Saint-Maximin. Son centre est contré par. Alors voilà, j'hésite entre Rabiot et Tielemans. C'est ce que j'allais évoquer, Daniel, avec vous. Tielemans, ce sera très certainement défavorisé par le fait que son équipe domine cette match, deuxième période. Ils ne se sont pas affolés. Parce qu'en face, c'est vrai qu'il y a beaucoup de talent, mais on a vu quand même cette machine parisienne qui n'a pas été éblouissante. Attention, parce que cette machine, elle souffre quand même en fin de rencontre. Alan Saint-Maximin maintenant avec Youri Tielemans. S'il l'a manqué, ça passe, le Polonais. Oui, il a manqué, il a pris de l'extérieur du pied gauche, en voulant mettre un plat de pied. Et côté parisien, Nkunku va faire son... Nkunku est présent. Saint-Maximin... par Guedes. Saint-Maximin devait réussir cette passe, peut-être la dernière action pour égaliser côté monégasque. Le long centre vers Falcao. Alan Saint-Maximin l'a tombé. Saint-Maximin qui met ce ballon dans la surface, c'est repoussé par Marquinhos. Tielemans, c'est terminé, c'est le Paris Saint-Germain qui conserve son trophée des champions.